DMTV Info, votre chaîne d'information en temps réel. La politique, la santé, le sport, les faits de société, la musique, les rumeurs et bien plus encore. Vous découvrirez cela dans notre chaîne DMTV Info. Vous êtes sur DMTV, bonjour ou bonsoir, tout dépend de l'heure à laquelle vous nous suivez. Tout plaisir est pour nous de vous retrouver, mais surtout de savoir que vous êtes nombreux en train de suivre votre chaîne YouTube DMTV. DMTV qui vous propose l'actualité, vous propose également des analyses et des réflexions sur des sujets d'actualité, sur des faits sociaux, tout simplement sur des réalités que nous observons ici chez nous en République démocratique du Congo. Dis, monsieur, yo, tiens, 3-1 à ici pour monsieur. Je t'arrête, monsieur. Papa. Moi, je parle, toi, tu parles. Non, Yozana. Mais c'est le bourgmestre. Monsieur! Vous m'avez déposé. Monsieur! Moi, je parle, toi, tu parles. Voilà. Ainsi, l'inauguration va devoir avoir lieu. À présence de tous les collaborateurs de la maison communale de Mongafula. Voilà. Voilà. À toi, nous te bâtissons pour que tu sois plus propre, comme nous te l'avons voulu. Maintenant, attention. Les lieux réservés aux essences et pas mon lieu. Où est-ce qu'il y a la police? Tu te présentes. Où est-ce qu'il y a la police? Nous voulons en tout cas que ça reste comme ça. Oui, Zali, toilette, il y a ma maman. Oui, Zali, pour la maman. Au côté à moi, il y a Bino. Ok. Au côté à moi, au côté de moi, au bon maman. Ma maman, il faut espacer ça. Oui, mais. Là, tu penses à nous. Service sur les bases. Vous avez jusqu'à Nini, vous avez Rosala, école Rosala, pharmacie Rosala, Nzela et Kolekawapi, régie des eaux, Batio Nango et Kolekawapi, Baligne au courant et Kolekawapi. Mais non, vous avez le droit à mon côté. Pour la petite histoire, ce cimetière est régulièrement fermé depuis 2015 par mon prédécesseur. Alors pour l'instant, on ne peut pas encore construire dans ce cimetière. Tout simplement parce qu'il n'est pas encore désaffecté par l'autorité urbaine. Pour désaffecter un cimetière, il faudrait attendre un délai minimum de 50 ans que la dernière personne ait été enterrée pour désaffecter un cimetière. Ce cimetière ici
n'a jamais été désaffecté par l'autorité urbaine. Donc c'est un cimetière qui est tout simplement fermé au public. Tout celui qui a construit ici, sur ces sites du cimetière de Kintsuka, ces gens, ils ont tout simplement spolié cet espace. Ils ont spolié cet espace et ils ont profané les tombes que nous sommes en train de voir ici. Les Kinois ont atteint des niveaux exponentiels d'inconscience que je n'arrive même pas à comprendre. Alors, nous sommes venus ici pour dire à toutes ces personnes qui ont construit ici sur les sites du cimetière de Kintsuka que nous leur donnons un délai d'une semaine. À partir de la semaine prochaine, mercredi prochain, nous reviendrons ici pour passer à la démolition. Nous avons un grand programme, nous avons un projet de réhabiliter ces réseaux avec notre projet Metrokin. Et c'est d'ailleurs l'occasion pour moi pour donner certains éclaircissements. Le chemin de fer ici va s'agrandir, il va passer d'une voie à deux voies. Alors c'est le projet Metrokin qui a déjà commencé son amorce. Les gens, notamment les gens du Patagonia, qui ont érigé des bicoques ici, tout autour du chemin de fer, seront relocalisés, envoyés dans la commune d'Enselé, dans la localité de Tingiting. Thank you.